Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air triste. C'est rien. Je me disais seulement que Sonia avait beaucoup de chance d'épouser Alexandre. Monsieur? Oui, Célia. Il y a une jeune dame qui vous demande dans l'entrée. Elle m'a dit de vous dire qu'elle s'appelait Ruby. Et que si vous n'alliez pas à sa rencontre, c'est elle qui viendra jusqu'à vous. Merci, Célia. Mon amour, je dois m'absenter. Que se passe-t-il ? Rien du tout, je reviens tout de suite, d'accord ? Si tu es vraiment son ami, tu devrais tout faire pour empêcher ce mariage. Tu sais bien que c'est moi qui m'aime. Ne te berce pas d'illusions. Ça, c'était autrefois. Sonia est la seule femme qui est restée à ses côtés quand il n'avait ni argent, ni travail. Elle est la seule à l'avoir soutenue. Sonia est sans doute la merveille des merveilles que tu décris. Mais Alexandre ne l'aime pas. Qui te fait croire que je ne l'aime pas? Ta seule présence ici est la preuve que tu ne l'aimes pas. Allons rejoindre les invités et donnons des instructions pour qu'elle n'entre pas. Nous avons des choses à nous dire et tu le sais. Laisse-nous, il faut que je lui parle. Non, s'il Alexandre. Te plaît, Marc, laisse-nous tranquille. Alors, tu souhaites être le témoin de mon mariage? Alexandre, ne l'épouse pas. Mon amour, je t'en supplie. Je t'aime. Et toi aussi, tu m'aimes. Ah, Marie-Belle, je n'arrive pas à le croire. Je pensais qu'Alexandre ne se déciderait jamais à me demander en mariage. Et regarde-moi! Sonia, tu as toujours été sympa avec moi. Il vaut mieux que je te dise toute la vérité. De quoi est-ce que tu parles? Ruby est dehors avec Alexandre. C'est peut-être notre dernière chance d'être heureux ensemble, mon amour, toi et moi. C'est ce que nous avons toujours désiré. Est-ce que tu l'as oublié? Ruby, tu ne peux t'en prendre. Oui, je le sais. Tout ce qui est arrivé est de ma faute. Mais si tu savais combien je le regrette maintenant, accorde-moi une chance de te prouver que j'ai changé. Je n'ai jamais cessé une seule seconde de t'aimer. Tu es le seul homme avec lequel je souhaite vivre, partager l'existence. L'attirance qu'on éprouve l'un pour l'autre est si forte que ni le temps ni les mauvaises langues n'ont pu en venir à bout. Nous n'avons pas saisi notre chance lorsqu'elle s'est présentée et désormais rien n'est plus possible. Est-ce que tu peux comprendre ça? Non, ne dis pas ça, mon amour. Crois-moi, je ne te dis pas ça dans l'intention de gâcher ce jour si spécial pour toi. Je suis ton alliée. Je sais, Marie-Belle. Je sais aussi que Ruby a déjà vu Alexandre. C'est lui-même qui me l'a dit. Alors je suis rassurée, tu n'as rien à craindre d'elle. Mais si j'étais toi, j'irais la voir. Elle n'a rien à faire ici, tu serais en droit de l'envoyer balader. Je t'en supplie, le mariage n'est pas encore prononcé, tu peux encore tout annuler. Il s'est passé beaucoup trop de choses entre nous que je ne pourrai jamais te pardonner. Non, mon amour, non, je t'en supplie. Non, mon amour, mon seul et unique amour, ne me laisse pas. Tu vas commettre la même erreur que j'ai faite. Tu ne peux pas savoir à quel point je souffre d'être mariée à un homme que je n'aime pas. Il a usé de tous ses charmes pour qu'Hector renonce à se marier avec moi. Viens, je t'accompagne, je ne te laisse pas seule. Non, Marie-Belle. Je te remercie de m'avoir alertée de sa présence, mais je ne veux pas la voir. Je ne te comprends pas, tu sais pourtant ce dont elle est capable. Alexandre m'a dit qu'il reviendrait et il va revenir. J'ai confiance en lui. S'il doit me quitter, autant que ça se passe avant le mariage qu'après. Sonia, tu en es sûre? Marie-Belle, j'aime Alexandre et je crois bien le connaître. Ce n'est pas comme si j'épousais un parfait inconnu, tu comprends? Mais si je me trompe, s'il décide qu'il en sera autrement, même si pour moi ce sera une grande déception, je respecterai son choix. Sonia est peut-être une femme épatante, mais qu'est-ce que ça t'apportera? Ce n'est pas elle que tu aimes. Avec elle, tu ne connaîtras jamais les moments de passion que nous avons connus, toi et moi. Ta vie sera une torture auprès d'elle, crois-moi, j'en sais quelque chose. C'est pour ça que j'ai quitté Hector. Ma vie n'a aucun sens, loin de toi. Tu seras malheureux auprès de Sonia. Il vaut mieux que tu l'oublies, mon amour. Je t'en supplie, mon amour. Je suis désolée pour toi que tu sois malheureuse avec Hector, mais ma décision est prise. Je veux que tu t'en ailles. Tu n'es pas la bienvenue à mon mariage. Alexandre, je sais que tu m'aimes. Sonia est en train de m'attendre. Je veux que tu saches que je vais t'attendre ici, parce que vous n'échangerez pas les alliances. Notre amour est unique, tu en es conscient. Nous pourrions ensemble couler des jours heureux jusqu'à la fin de notre vie, mon amour.
Où est passé mon frère? Il s'est absenté, il ne va pas tarder. Sonia? Oui, Alexandre? Ils te laissent seul? Le secret du succès de mon mariage, c'est que Carla et moi, nous faisons absolument tout ensemble. Des pouvoirs qui me sont conférés, mon devoir est de vous demander si vous êtes ici de votre plein gré. Oui, de notre plein gré. Puisqu'il n'y a aucun empêchement légal à ce mariage et que vous avez conscience de votre engagement l'un envers l'autre, je m'adresse d'abord à vous, mademoiselle. Viens, Alexandre, je t'en prie, ne l'épouse pas, mon amour. Acceptez-vous pour époux le docteur. Éveillez mon cœur, ne l'épouse pas, je suis là dehors en train d'attendre. Oui, je le veux. Docteur Alexandre Cardenas Ruiz. Acceptez-vous pour épouse mademoiselle Sonia Echavarria Gonzalez, ici présente. Je veux que tu saches que je vais t'attendre ici. On pourrait ensemble couler des jours heureux jusqu'à la fin de notre vie dans l'amour. Et vous de prendre pour épouse mademoiselle Sonia Echavarria Gonzalez. Viens, mon amour, ne te marie pas, je t'en supplie, ma vie, tu t'attends. Ruby! Je savais que tu serais là. Tu as pu interrompre les noces. Dis-moi, ne me laisse pas dans l'expectative. Alexandre ne se mariera pas avec elle. Je le sais, j'en suis convaincue. Je te parie qu'il va venir. Je vous déclare mari et femme. Alexandre, non! Où vas-tu? Ça, Alexandre, c'est moi qui l'aime, pas cette fille. Je te jure qu'il va m'entendre. Arrête, tu es folle. Ne t'abaisse pas à ça. Tu vas te couvrir de ridicule. Je dois lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. Il le mérite. Il y a Sonia, Maribel et Sofia. Elles vont faire un scandale et tu ne pourras pas te défendre. Je ne voudrais pas qu'on fasse du mal. Pas vrai, t'as le culot de faire ton apparition au mariage d'Alexandre? C'est plutôt toi qui n'as rien à faire ici. Ça m'étonnerait. Moi, j'ai été invitée. Et je suis heureuse de voir qu'Alexandre peut en aimer une autre. Et ça, malgré le mal que tu lui as fait. En fait, dis-moi, Ruby, ça valait la peine de troquer l'amour d'Alexandre pour l'argent d'Hector? Alexandre finira par être à moi. Je suis sûre que j'obtiendrai ce que j'ai toujours voulu. Mais pour toi, ça doit être dur de savoir que le père de ton enfant est en prison. Si Gaëtano est incarcéré, c'est à cause de toi. Moi, je suis heureuse. Parce que j'ai une fille que j'adore. Elle me remplit de bonheur. On n'a pas la chance d'avoir son père avec nous. Mais j'ai une petite part de lui à travers ma fille. Toi, par contre, qu'est-ce que tu as d'Alexandre? Uniquement des souvenirs qui te font souffrir. Parce qu'ils te font revivre ce qui ne pourra plus se réaliser. Ruby, toujours aussi belle et aussi peu sûre de toi. Tais-toi, fiche-moi la paix! À la boucle. Je ne sais pas si je vais me décider, bien qu'Elisa me plaise beaucoup. C'est quand même son fils. Ce n'est pas parce que tu as une liaison avec elle que tu dois supporter Hector et Ruby si tu n'y tiens pas. Ah, tu sais bien que jamais je ne pardonnerai à Hector sa conduite odieuse. Je ne veux plus que tu t'en fasses pour moi. Je souhaite que tu refasses ta vie avec quelqu'un qui te rendra heureux. Comme tu es mignonne, je t'adore. Maintenant, je suis convaincue que tu m'aimes. Je suis ravie parce que tu viens de me le prouver. Comment ça, je te l'ai prouvé? Oui, en étant là. Tu avais promis de revenir et c'est ce que tu as fait. Parce que tu es revenu pour t'engager dans une nouvelle vie, mon ami. À mes côtés. Oui, c'est vrai. J'ai mis une croix sur le passé, c'est fini. Vous permettez que je vous embrasse, Madame Cardenas? J'en serai enchantée. Sonia. Ah. Tout va bien? Oui. Ça va, vous êtes content? Très content. Oui, bien sûr. Sonia. Je me souviens, le jour où je me suis mariée, mon papa avait dit à mon fiancé que le bonheur, il fallait le rechercher tous les jours.
heureuse à chaque moment, quelle que soit la situation. Et tu as été heureuse avec ce fiancé ? Oui, je l'aimais beaucoup. Je voulais passer toute ma vie avec lui. On va porter un toast pour ce fiancé et pour toi, maman. À vous deux. À vous deux. Sonia. Bijou, ne pleure pas. Franchement, tu me déçois. C'est la vie, parfois on gagne et parfois non. Il n'est pas question que je me résigne. Tu as perdu l'homme que tu aimais. Accepte-le. Je suis sûre que même marié, il ne va pas cesser de m'aimer. Même s'il ne sera jamais à toi. Tu sais bien comment il est. Si toi, tu peux être infidèle, Alexandre, non. Il te l'a prouvé à Cancun plus d'une fois. Tu peux être sûre qu'il ne trompera jamais Sonia. J'admire la façon dont tu t'es comporté. Je ne sais pas si moi j'aurais eu le courage de laisser Alexandre aller parler à Ruby. Mon amour pour lui est trop fort pour que j'aie des doutes. Et en plus, je ne me voyais pas vivre avec le fantôme de Ruby entre nous deux. C'est pour cette raison que j'ai décidé de courir le risque. Tu vas le regretter, Sonia. Tu vas le regretter. Quand j'ai vu que tu allais parler à Ruby, j'ai eu la trouille. J'ai cru que tu allais tout annuler. Je vais te faire une confidence, j'ai failli le faire. Je sais bien ce que représente Ruby pour toi. Je sais qu'il t'a fallu du courage et de la volonté pour ne pas flancher et tenir bon. À un moment donné, j'ai compris le geste d'Hector. L'espace d'une seconde, j'ai eu envie de tout envoyer balader et de partir avec Ruby. Elle te fait toujours le même effet qu'auparavant ? Non, nous, entre nous deux, il n'y a plus rien de possible maintenant. Avec Sonia, je connais la stabilité, la tranquillité. Sonia a tout ce qu'un homme désire. Je suis heureux. Et je suis sûr qu'un jour, je finirai par l'aimer. Tu es étudiante. Si on s'y met tous les deux, je suis persuadée qu'on y arrivera et qu'on aura tout ce qu'on voudra. Pardonne-moi, mon amour. Pardonne-moi de n'avoir pas su attendre. Je te demande pardon. Tu peux ouvrir les yeux. Alexandre, mon amour. Je voulais le meilleur pour notre nuit de noces. Pour qu'on s'en souvienne. Je te promets de faire tout mon possible à partir de maintenant pour que chaque jour avec toi soit le plus beau. Je veux que tu sois heureux. Et je ferai tout ce que je pourrai pour que tu sois amoureux de moi. De t'avoir perdu pour toujours, Alexandre. Alexandre, mon amour. Je ne pourrai pas t'oublier. Tu es mon seul amour. Tu veux que je te dise que j'aurais adoré qu'on se réveille sur une belle plage, sur une île déserte, rien que nous. Tous les deux seuls, sans personne autour. Mon amour, on a tout le temps de partir en lune de miel. Le plus important, c'est qu'on soit ensemble et mariés. J'aimerais t'accompagner à l'hôpital. On déjeunera ensemble avant que tu ailles en salle d'opération. Et après, je passerai te prendre pour aller dîner. Alexandre, on est ensemble pour la vie et c'est notre premier jour. Et je veux qu'ils soient tous aussi beaux. J'aimerais que chaque jour qui passe soit le meilleur pour toi et pour moi. Je te le promets, mon amour. Sonia. Ma Sonia.
J'ai comme l'impression que tu vas arriver en retard au travail. Je ne pense pas.